Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, malgré les apparences, c'est l'hiver à Paris. En hiver, on a envie de voyager. Alors, je me suis dit qu'on pouvait faire un voyage, aller au Japon, mais en restant à Paris. En allant dans des endroits de très bonne qualité, absolument exceptionnels, comme d'habitude. Radio Taiso Daichi. Nous sommes chez Kitsune, et Kitsune, c'est une marque franco-japonaise. Souvent les choses sont françaises, mais parfois avec des tissus japonais. Et là, par exemple, c'est du jean japonais. Alors évidemment, celui-là, il faut un tout petit peu une vie pour qu'il s'assouplisse un peu. Là, il y a cette veste, par exemple. Je peux avoir une passion pour cette veste-là, voilà. Mais alors, il y a des choses un tout petit peu plus féminines. Celui-là, je le trouve super raffiné. Parce qu'il est dans une espèce de tissu gaufré. Voilà, je crois que ce qui rime avec kitsune, c'est raffiné. Quand on vient là, on a envie d'avoir le total look ensuite. On a envie d'être complètement kitsune. Maintenant, grâce à moi, vous connaissez kitsune. S'il y a un truc, moi, qui m'amuse pas tellement dans la vie, c'est de faire la cuisine. En revanche, ici, c'est tout à fait des paysans. C'est une espèce de petite supérette japonaise. Alors ça, par exemple, c'est absolument craquant. Je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais c'est beau. Et là, c'est assez évident que c'est pas des côtes d'agneau. Si on cherche désespérément des bonbons au kiwi, eh bien là, on trouve le bonbon au kiwi. Ces algues japonaises, eh bien, on peut en donner aux enfants. Non mais, blague dans le coin, il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui au lieu de donner des sucreries pour aller à l'école, leur donnent ces trucs-là. D'abord, ça prend pas de place dans le cartable, et puis c'est très bon. Oh, ça c'est beau. Alors ça, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais ça me paraît essentiel. Hein. Et il y a même, pour le célibataire endurci, ces choses qui ont l'air absolument exquises, où il suffit de rajouter de l'eau dedans. S'il y a des soldes normalement en ce moment dessus, ça serait dommage de se priver. Bon, bah ça c'est mon maximum pour m'occuper de la cuisine et de la maison. Maintenant, on va aller s'occuper de vêtements, ça manque. Hein. Faut-il que je vous aime, faut-il que je vous aime pour vous emmener dans cet endroit. Parce que c'est assurément ma boutique favorite à Paris. Mina est une amie depuis très 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 longtemps. Elle est japonaise. Hein. Et c'est un style, c'est une atmosphère, c'est une ambiance. Alors voilà, par exemple, déjà cette petite chemise avec ce petit col, la proportion, la coupe. Alors là, il y a ce sac, par exemple, j'en suis dingue. Hein. Petite veste. On a presque l'impression que c'est une chose sortie d'un musée. Là, cette jupe bleue indigo, je trouve qu'on peut pas faire plus joli et plus élégant. Et alors quoi encore? J'ai la tête qui tourne, moi, quand je suis ici, je reste généralement des heures. Et là, pour l'été, par exemple, tout un tas de choses en voile, très aérien. C'est finalement l'Inde vue par les Japonais. Et c'est ça que j'aime. Je vous conseille vivement de venir ici. Parce que c'est garanti, vous aimerez vos vêtements toute votre vie, vous les garderez tout le temps. Bon, alors cette fois-ci, on ne part pas, on reste. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve au mois de juin sur le site rogervivier.com. Là, je vais aller profiter du soleil dans les jardins du Palais Royal. Hein.